Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Ede Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC Bandeko. Émission, tout en divisant en deux parties, tout en bande sur Menace à Katumbi. Sur élection présidentielle, les babous, ça va résultat. Et puis, tout en yann à conseil des ministres. Et pas et wapi fête zalaki, donc yo kaka action de grâce et pas yata. Alors, commençons avec Katumbi. L'opposition va intensifier des actions pour réclamer l'annulation et la réorganisation des élections du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Selon Moïse Katumbi, un des candidats à la dernière présidentielle, et la marche de l'opposition organisée le mercredi et la 1er mai. Pas la dernière. Je condamne énergiquement la répression dont les Kinois ont été victimes. Pour moi, donc, yéponaïe, à l'objet que Sukati de Gokontini, par lesquels de nombreux partisans décident les partis frères Martin Fayoulou, un point de retour vient d'être franchi. Cette première marche sera suivie d'autres actions dans tous les pays. Pour Moïse Katumbi, la répression de la marche, 10 jours organisés par 5 autres candidats, dont Martin Fayoulou Mukwege et une dictature de la partie du régime de Tshisekedi. J'exprime ma compassion aux blessés et aux victimes. Moïse Katumbi avait commencé par revendiquer la victoire aux élections avant le début de la publication. D'autres, avant même le début de la publication, il revendiquait déjà la victoire. Alors, il y a l'obété, Wanezaye Bandelite, Péa Soukati. Alors que sont les tendances, nyonso, Moïse Katumbi largement en dessous de Félix Tshisekedi. Donc, à ça, il y a un peu. Alors, et ça, mawa. Avançons. Maintenant, ce qui te l'a dit Katumbi, donc, Biden a eu le but qu'il faut continuer. Mais bah, on proclamé déjà résultat de l'oubi et l'oubi de ma kamtu et si l'inango. Donc, Katumbi faut accepter. Ma candidat belé, bah, c'est baloba et que bango. Bah, ça, yebisae que, en tout cas, il faut, andima résultat, wana. Alors, l'heure est grave. Si koyo, n'denge to landi wana nyoso, talinde to tangi et tout ça, Katumbi azulinga banda lui waneza ya sukate ba ya ba lisusu meko simbati bakoza bloqué. Alors Katumbi ekokute cher et peut-être arrêté waneza la ki premier parti sikotoke na deuxième point na conseil des ministres ndebozo mo les chefs de l'état vandi basala ki action de grâce ba de ko match siliti ezalo ko la fetite me fachi pona yi. Et sa action de grâce, et pas yan zambi wana, ou a permettre l'élection, le ki nango bien, et puis bango ba gagne l'élection. Donc il faut qu'on remercie Nzambi, conseil des ministres Bandeko, ba sala kala, mais ba sali, ba avancer na ma kamyon, se ba bandit déjà ba projet, parce que y a zombi ma président de la République. Bon y ba ke SSI interrompu na campagne, mais tout l'andango nan, bon auto avance. Aimables auditeurs, bonsoir. Billy Van Lutumba à votre service pour la présentation de l'actualité de ce soir. Le 120e Conseil des ministres ordinaires a été organisé ce vendredi sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre réélection. L'ordre du jour de cette réunion a prévu, outre la traditionnelle communication du chef de l'État, l'état de la situation sécuritaire et de l'économie nationale, indique la cellule de communication de la présidence. Après quelques semaines d'interruption dues à la campagne électorale et à l'organisation des scrutins nationaux, le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, le ministre délégué et les vice-ministres ont marqué leur présence à la Cité de l'Union africaine. Contrairement aux habitudes, le conseil de ce vendredi a débuté par une prière d'action de grâce. Cette première réunion du gouvernement après les élections de 2023 marque la reprise normale de la gestion de la République, écrit la presse présidentielle. Alors, bande koto landi biso nyonso nde makamoleka na conseil des ministres, Fatia Bimi président de la République. Nde bozo tanga les tendances cumulées, même de la diaspora et des circonscriptions électorales rendues
à l'intérieur de la RDC, Katumbi largement en dessous de Félix Tshisekedi. Netoloba lulezaki 11 dont millions oezibimi déjà Katumbi a nagé na 2 millions musalani tikanukaka. Alors maintenant basali na conseil des ministres Fachi basali donc oyoka bogaye machiko masolo kitoko. Alors bah sepeli élection l'équipe bien et puis tondi nzambi otobenga action de grâce. Voilà. Yangwana kabuya lubai kibazore metri RDC na maboko nzambi. Abi oya nzambi ba mekakete. Katumbi e konsor ba kusuka mabi. Malan ba tika. Meso ba o kontine na liro yu. Eko yela ba ngongayi. Alo, bana mboka. Tulandi biso nyonso emisyon. Eko mina tuna nyosko bo komante. Katumbi alobiki ako tikati. Et ça zo bossa na ki RDC sa dia maboko nzambi et ça problème pour la Katumbi bolandi wana na conseil de ministre action de grâce na ndenge ba gagne élection. Alors bana mboka ba pesi Katumbi passi ba voter Fachi na nko ba voter peno ka ba voix ko sakanati et kara de 11 millions na 2 millions Katumbi bwa ke ponge. Tika no ba march wana. Wane zaka ba dezo. Bino na fayulu bo tika na bino. E komi tan. Bo yoka ba. Ba pasi ba kandida musu ba si ba lobi ke. Se ne pa la pen. Yako tia mboka kao. Alo. Katumbi. Alobi yako tika te ako kontine ba kao. Me aye ba kiko sukele mabe. Alo bana mboka to tika wana bino. Se eta se pwete. Kumo klotire misyon. Bo kontine ko sabone masivman. Au revoir. A la prochaine.